Le Corsaire Rouge, film d'aventure réalisé en 1952 par Robert Siodmak. Scénario de Roland Kibing. Musique de William Alwyn. Au cœur des Antilles, le capitaine Valo, un intrépide pirate plus connu sous le nom de Corsaire Rouge, arraisonne un navire de la marine britannique rempli d'armes et de munitions. Le navire est commandé par le baron Gruda, envoyé spécial du roi, en route pour l'île de Cobra, afin d'y mater une rébellion. Le corsaire envisage de vendre aux rebelles le stock d'armes entreposé dans les cales du navire. Mais Gruda lui propose une somme bien plus importante en échange de son aide pour s'emparer de leur chef, un certain El Libre. Pour les beaux yeux de Consuelo, la fille d'El Libre, Valo décide, contre l'avis de ses hommes, d'épouser la cause rebelle contre l'Espagne, puis Consuelo.